Hey hey! Salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Pokémon Go! Les amis, en extérieur, y'a que ça de vrai, il fait bon, il fait méga chaud. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'événement en cours avec les fameux défis collection que vous voyez juste ici. Il y a 4 défis collection au total, ils sont basés sur les évolutions. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes les astuces pour que vous puissiez le faire même en regardant cette vidéo. Ça va très vite, en vrai, en quelques minutes, vous pouvez tout faire en fonction de ce que vous avez autour de vous. On y va, je vous donne toutes les informations. Quatre défis collection à effectuer et surtout 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pokémon à faire évoluer. Voilà des défis collection qui peuvent paraître compliqués, surtout si tu viens de commencer Pokémon Go, et pourtant non, ils sont très faciles à faire. Je vais te donner tous mes secrets. Le soleil, c'est un coup il est là, un coup il est pas là, tu sais, il disparaît derrière le nuage depuis tout à l'heure là. Première étape, avant de vouloir les faire évoluer, bien sûr, il faut non seulement avoir le Pokémon, mais les bonbons aussi. Mais derrière l'aspect compliqué, finalement, on se rend compte que tous ces Pokémon nécessitent maximum 25 bonbons pour évoluer. Donc notre première mission déjà, c'est de capturer au moins un exemplaire de chaque Pokémon. Et pour ceux qui n'ont pas les bonbons, vous devez avoir 25 bonbons de chaque Pokémon, sauf Ectoplasma et Kadabra. Un exemplaire vous suffira, on l'expliquera juste après. Quant aux évolis, il vous faudra 25 bonbons par évolution au minimum. Petite astuce du chef, utilisez votre ensembleu. Moi, je suis parti tout à l'heure de la maison pour capturer au moins un exemplaire de chaque Pokémon. J'ai utilisé mon ensembleu et... du coup, ça m'a permis de trouver en vrai tous les Pokémon. Voilà, clairement. C'est-à-dire que dans l'ensemble, déjà, j'ai eu au moins 5 évolis, ce qui est très pratique. Si vous mettez une Benanana, ça vous fait 30 bonbons, voire même 35 si vous les transférez. Ça veut dire que juste avec ce petit ensemble, j'avais déjà de quoi faire plus d'un évoli. En plus, j'en ai trouvé en sauvage. Bref, juste avec une petite balade de 15 minutes, j'avais déjà de quoi faire 2 évolutions et j'avais trouvé au moins un exemplaire de tous les Pokémon. C'est d'ailleurs l'ensemble qui m'a donné un Spectrum et un Kadabra. Voilà ce que m'a donné mon ensemble d'ailleurs. Non mais c'est fou parce que mes 2 derniers Shiny sont dans l'ensemble. Alors autant j'y crois pas du tout, autant je commence à me demander des fois est-ce qu'il n'y a pas un boost de Shiny dans l'ensemble, tu vois. A priori non, selon les recensements, les résultats sur internet et tout, il n'y en aurait pas, mais de mon côté tout tombe dans l'ensemble. La dernière fois c'était Pikachu et cette fois-ci bah, c'est Marcacrin. A partir du moment où vous avez vos Pokémon, vous n'avez plus qu'à les faire évoluer. Du coup on va commencer par les défis collection les plus bas, les plus faciles, et ce sont les 2 derniers. Lampérois, Mélancolux, Rhinophéros, Marcacrin, donc Cochignon, Kirlia et Terraclope évoluent très simplement avec 25 bonbons. Et en plus ça vous donne des pierres de Sinnoh et du Nice, c'est plutôt pratique. Allez, on commence avec Marcacrin, c'est parti. Donc là je les fais tous avec vous, en direct. Rhinocorn. Donc comme je disais, l'ensemble c'est super pratique parce que vous avez... actuellement, au moment où je fais la vidéo, il y a encore 5 jours. Et du coup, vous pouvez utiliser cet ensemble tous les jours. Il est gratos et il vous permet d'avoir des Pokémon supplémentaires. Voire même, si toi qui me regardes, t'as pas de Pokémon chez toi, bah des Pokémon tout court. Allez, Terraclope. N'oubliez pas d'ailleurs que l'ensemble est très très quand même influencé par l'événement actuel. Donc il va vous donner des Pokémon de l'événement en cours. Il sera influencé aussi par là où vous habitez. N'hésitez pas à aller dans les zones de campagne pour avoir des évolis, des Pokémon de tout style. Profitez si vous avez l'occasion aussi d'une météo, une météo normale, si vous voulez des évolis, des choses comme ça, qui pourraient influencer encore votre ensemble. Le petit Anchoate qui évolue en Lampérois. Le Tarsal. Moi du coup, comme je vous disais, je l'ai fait en une seule journée. L'ensemble m'a suffi une seule fois. Imaginez si vous le mettez en place pendant 5 jours, vous allez vous faire un max d'évolis, vous allez vous faire vos bonbons et du coup vous allez pouvoir tout faire. De toute façon, on revient juste après sur les évolis pour vous expliquer les méthodes. Allez, reste plus que Mélancolux si je me suis pas trompé. Et on aura fait les 2 derniers défis collection. Donc voilà, dernier effectué, avant-dernier effectué, ça a été très facile. On passe donc au suivant, les évolutions défis échange. Ectoplasma et Alakazam. Si jamais vous vous en rappeliez pas, il faut les échanger. C'est dit de toute façon dans le nom du défi. Parce que si vous ne les échangez pas, ils coûtent très cher à faire évoluer. Par exemple, moi, j'ai échangé le Kadabra au préalable pour cette vidéo avec Marine et le Spectrum au préalable aussi avec Marine. Et vous le voyez, ça me coûte 0 bonbon. Voilà. Actuellement, durant cet événement, vous capturez des Kadabra et des Spectrum. Il n'y a même pas de Fantominus ou d'Abra, tu vois. C'est directement ce format-là. Vous le capturez et vous l'échangez. L'idéal, c'est vraiment de chasser avec quelqu'un d'autre et d'échanger direct. Et vous avez l'opportunité de faire cette évolution. C'est gratuit. Et votre défi collection, finalement, là, il est gratuit, quoi. Donc, on y va. On fait évoluer Ectoplasma. Bon, bien sûr, moi, j'ai capturé des Pokémon pour faire cette vidéo. Certains auront peut-être déjà des Pokémon en stock. Certains vont peut-être profiter des chromatiques qu'ils ont en trop, des Community Day, des choses
choses comme ça. Et à la Kazam. Ok, 3 défis collection d'effectuer. Pour l'instant, la seule difficulté que vous avez peut-être rencontrée, c'est l'incapacité de faire un échange. Profitez de nos réseaux, essayez de trouver des joueurs dans votre région, surtout sur notre serveur Discord, sur notre site d'amis avec Karani. Les liens sont dans la description pour essayer de trouver quelqu'un pour échanger vos Pokémon afin de faire vos évolutions facilement. Vous avez vu, quand on peut échanger, le défi collection est gratuit, quoi. Donc ça fait 3 de fait. Maintenant, on en arrive au plus intéressant, le défi Evoli. On doit faire Aqualie, Voltaglie et Pyroli. Alors déjà, première bonne nouvelle, ce sont les 3 Evoli les plus faciles à faire. Il faut juste avoir 25 bonbons, il n'y a pas d'autres prérequis, point. Mauvaise nouvelle, il est complètement aléatoire. Attention, si vous le faites à côté d'un leurre moussu, d'un leurre glacial, machin, d'avoir un Givrali, un Filali, non. Ne le mettez pas en copain, ne faites pas des kilomètres. On cherche juste à faire les 3 de base. Rien à faire d'autre que de faire évoluer avec 25 bonbons. Mais quand vous le ferez évoluer, ce sera complètement aléatoire. Si je vais sur un Evoli, ici, vous voyez que l'évolution, c'est un point d'interrogation. Là, 2 possibilités s'offrent à vous. Je vous remets d'ailleurs le lien de mon tuto évolution au-dessus pour ceux qui veulent l'intégralité des informations. Vous avez l'option « j'ai pas encore utilisé le renommage » et l'option « j'ai déjà utilisé le renommage ». Si vous ne l'avez pas utilisé, le renommage, vous pouvez renommer vos Evoli. On rappelle que chaque évolution peut être faite automatiquement et facilement sans avoir rien à faire en le renommant avec le bon pseudo. C'est vrai, ce n'est pas fake, c'est le jeu qui est prévu comme ça. Vous renommez votre Evoli Sparky, ça donnera un Voltaglie. Si vous renommez votre Evoli Rainer, vous aurez un Aqualie. Si vous renommez votre Evoli Pyro, vous aurez un Pyroli, automatiquement. Mais c'est incroyable, me direz-vous. Oui, c'est incroyable, c'est génial. Le problème, c'est que ça ne marche qu'une fois. Ça ne marche qu'une seule fois par compte. Ça veut dire que si toi qui me regardes, tu as déjà fait cette méthode, tu ne pourras pas la refaire. Seuls ceux qui ne l'ont jamais faite pourront la faire. Maintenant, si toi qui me regardes, tu ne l'as pas utilisée, mais que tu as plein d'Evoli autour de toi, ne le fais pas. Gardez cette possibilité, gardez cette opportunité pour des Evoli Shiny 100%, des trucs où tu veux être sûr d'avoir celui que tu veux, tu vois. Ce serait dommage d'avoir gaspillé cette méthode pour un défi collection que tu aurais pu faire autrement. Voilà, mais au cas où, en cas de réel besoin, vous avez cette méthode-là si vous ne l'avez pas encore faite. Deuxième méthode, pour ceux qui ne veulent pas utiliser la première pour la conserver ou qui l'ont déjà fait comme moi et qui ne peuvent plus s'en servir, vous avez l'option, on y va quoi, au pif. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. En moyenne, il vous faut 6 Evoli. Parce que le premier, on va forcément avoir un des 3. Le deuxième, on a 2 chances sur 3. Le troisième, on a 1 chance sur 3. Donc je dirais qu'il faut 5-6 Evoli en moyenne. Maintenant, des fois, on va y arriver tout de suite. Des fois, il va nous en falloir 8 ou 9 parce que le dernier, il n'a pas envie de venir. Donc je vous conseille de capturer un maximum d'Evoli avec un maximum de baies nanana. Voilà, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va y passer. Au pire, vous le faites évoluer à chaque fois dès que vous pouvez et vous croisez les fingers, quoi. À l'American. Bon allez, je fais évoluer le premier, portez-moi chance, on va voir en combien d'Evoli j'arrive à faire mes 3 évolutions. Mon premier, c'est Sparky, quoi. C'est le Voltaglie. Ok, maintenant que j'ai eu Voltaglie, on y va. Allez. Donne-moi un Aqualie ou un Pyroli, s'il te plaît. Si le jeu me redonne un Voltaglie, ça commence mal. Ok, c'est Pyroli, c'est bon, on part bien. Il ne me manque plus qu'Aqualie. C'est dingue, par contre, il me manque toujours Aqualie, c'est fou, hein. C'est toujours Aqualie que je fais en dernier. Est-ce que je fais un perfect, les amis? Vous en pensez quoi? Allez, votez là dans le chat avant de regarder la suite de la vidéo. Est-ce que je fais un perfect? C'est parti. Ça m'étonnerait que je fasse un perfect, hein. Je vais me faire douiller, je le sais que je vais me faire douiller. Oh, perfect! Bon, j'ai de la chance. J'ai fait 1, 2, 3, bim, bim, bim. Coup de bol. Voilà, l'aléatoire a été avec moi. Je n'ai eu besoin que de 75 bonbons. Bon, vous voyez sur mon téléphone que j'étais pas dans le besoin. J'avais préparé 5 Evoli de plus depuis ce matin, au cas où. Voilà, j'avais prévu la lose, mais finalement, ça n'a pas été la lose, je suis plutôt content. Et voilà, les 4 défis collection sont validés, les amis. Moi, c'est fait, maintenant, c'est à ton tour, toi qui me regardes. Il vous reste encore quelques jours pour les faire, donc profitez-en, les amis. En plus, il y a un autre événement qui arrive. À partir du 14 octobre, on a un événement lié aux lumières, brillé de 1000 feux, avec l'arrivée, donc la première arrivée de Spododo et de Lampignon dans Pokémon Go. À part ça, l'événement, il n'y a rien de particulier, juste il y a une quête qui va y avoir durant cet événement. On a des bonus, vous le voyez, 2 fois plus d'expérience pour que vous attrapez, 2 fois plus de bonbons, et ainsi de suite. De toute façon, tout ça, c'est écrit dans l'onglet aujourd'hui de votre jeu. Sachez juste que ça démarre le 14, qu'on a Spododo et Lampignon, sachant que c'est 50 bonbons pour faire évoluer Spododo. On aura des Pokémon dans les raids, dans Sauvage et tout, liés à cet événement. Mais il n'y a pas que ça, regardez, je viens de le voir à l'instant en tournant la vidéo. Le 5 novembre, de 14h à 17h, on va retrouver une journée communauté
classique. Donc les journées communauté classique, pour expliquer, ce sont des community day avec des Pokémon qu'on a déjà vu, des community day bonus en plus du CD du mois, dans lequel on va retrouver des Pokémon que peut-être vous avez raté ou que peut-être nous on avait envie de réavoir. C'est très intéressant si vous avez stocké des shiny depuis et que vous aimeriez genre votre 100% shiny le faire évoluer un Dracolosse avec la fameuse attaque Draco Météor quoi. Donc un petit CD classique le 5 novembre de 14h à 17h. Attention, les horaires de CD ont évolué, on le rappelle. Sur cette news, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de raid par la suite. De toute façon, on se retrouve bientôt dans le Community Day Funessir aussi. Voilà, en live, ça va être trop cool. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou surtout vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà fini vos défis collection ou sinon sur lequel est-ce que vous bloquez et pourquoi. Sur ce, moi je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et meilleures dresseuses. J'espère vous retrouver bientôt dans des vidéos avec du Prismillon. J'ai trop trop hâte, j'attends tellement Prismillon. J'ai tellement hâte d'aller chercher tous les Prismillons. C'est trop cool les Prismillons. Sur ce, moi je vous souhaite en tout cas d'être les meilleurs dresseurs et meilleures dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao tout le monde.